Un vaste coup de filet anti-corruption en Espagne. Ce mardi, la police a interpellé 24 personnes dans la région de Valence, pour la plupart liées au Parti populaire, dont l'ancien dirigeant local de la formation politique, Alfonso Rus. Une enquête qui concerne plusieurs administrations publiques de la province, de la mairie à la région. Des pots de vin auraient été versés en échange de contrats de travaux publics. Nous prendrons des mesures contre tous ceux qui sont concernés. J'insiste lourdement sur le fait que nous ayons un engagement envers les citoyens dans la lutte contre la corruption et nous serons intransigeants. Le temps passe et si quelqu'un avait besoin d'autres exemples, le renouvellement de la classe politique et la récurrence d'un gouvernement aux couleurs du PP sont deux choses qui vont dans des directions diamétralement opposées. Des perquisitions ont été menées dans les locaux du groupe municipal du Parti populaire de la mairie de Valence, tout comme une trentaine d'autres au domicile de particuliers, au siège d'une entreprise publique, d'une fondation et d'un club sportif.